Debout pour le chant d'entrée, please stand for the entrance hymn. Father and Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Good afternoon. Good afternoon. Today I'm offering Mass for a classmate of mine, Father Denis Carrier. He was a prêtre des missions étrangères and he died 6-7 years ago in Cambodge where he was a missionary. So I offer Mass for him as it's his anniversary of death. Brothers and sisters, let's acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I've done and in what I've failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the second book of Samuel. Now when David, the king, was settled in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, the king said to the prophet Nathan, "See now, I am living in a house of cedar, but the ark of God stays in a tent." Nathan said to the king, "Go, do all that you have in mind, for the Lord is with you." But that same night, the word of the Lord came to Nathan. "Go and tell my servant David, thus says the Lord, are you the one to build me a house to live in? I took you from the pasture, from following the sheep to be prince over my people Israel. And I have been with you wherever you went and have cut off all your enemies from before you. And I will make for you a great name like the name of the great ones of the earth. And I will appoint a place for my people Israel and will plant them so that they may live in their own place and be disturbed no more, and evildoers shall afflict them no more as formerly from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you, David, that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled and you lie down with your ancestors, I will raise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. I will be a father to him, and he shall be a son to me. Your house and your kingdom shall be made sure forever before me.
Your throne, David, shall be established forever. The word of the Lord. Thanks be to God. Steadfast love, O Lord, forever. With my mouth I will proclaim your faithfulness to all generations. I declare that your steadfast love is established forever. Your faithfulness is as firm as the heavens. Forever I will sing of your steadfast love, O Lord. You said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to my servant David. I will establish your descendants forever and build your throne for all generations. Forever I will sing of your steadfast love, O Lord. He shall cry to me, you are my Father, my God, and the rock of my salvation. Forever I will keep my steadfast love for him, and my covenant with him will stand firm. Forever I will sing of your steadfast love, O Lord. A reading from the letter of Paul to the Romans. Brothers and sisters, to the one who is able to strengthen you according to my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages but is now disclosed, and through the prophetic writings is made known to all the Gentiles, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Make us prepare for the Lord. Alleluia, alleluia. He is the hope for the Here I am, the servant of the Lord. Let it be done to me according to your word. Alleluia, alleluia. Make a straight path for the Lord. Alleluia, alleluia. He is the hope for the The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And he came to her and said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was much perplexed by his words, and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Mary said to the angel, How can this be, since I am a virgin? The angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now your relative, Elizabeth, in her old age,
has also conceived a son, and this is the sixth month for her who was said to be barren. For nothing is impossible with God. Then Mary said, Here am I, the servant of the Lord. Let it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. On this last Sunday of Advent, as the solemn celebration of Christ's birth approaches, the Church reminds us that of that holy day 9 months earlier, when Jesus was conceived in his mother's womb. There are two great mysteries connected with that day. The first is the mystery of God becoming man, the incarnation. God has loved us so much that he became one of us, so that he could save us from sin and the meaninglessness that sin brings and show us the way to a meaningful life, now and forever. The second mystery is that God didn't and doesn't work out the plan of salvation for us all by himself. Instead, he asks for our cooperation. In today's gospel, God invites Mary to become the mother of the Savior. It was possible for Mary to reject this invitation. As in the parable of the many townspeople who declined the king's invitation to attend his son's wedding feast, Mary could have said, "Thanks for the invitation, Lord, but what you're asking is actually very inconvenient for me. I really wish I could do what you want, but I'm just not there yet." That's how Adam and Eve had responded to God's invitation to take care of the Garden of Eden. But Mary didn't insult God with an answer like that. She knew God, and that his plans are always wise and wonderful. So she put her life at his service. "I am the handmaid of the Lord. May it be done unto me according to your word." Mary's yes reversed Eve's no, and made no room for Christ's undoing of Adam's fall. When God disrupts our plans, we should follow Mary's example, making our contribution to God's work of salvation, however small it may be. Salvation is God's business, but it's a partnership. We have a role to play as well. Le oui de Marie à Dieu n'a pas été facile. Cela impliquait un changement total de ses plans. Marie s'était sentie très tôt appelée à servir Dieu par la virginité consacrée, ce qui signifiait ne pas avoir d'enfant. C'est la raison de son commentaire à l'ange. Comment est-ce possible, puisque je n'ai aucune relation avec un homme? La vie de vierge consacrée à Dieu était ce qu'elle était, avait envisagé et planifié pour elle-même. Mais alors, l'ange est venu et a changé ses plans. Dieu fait souvent la même chose avec nous. Tel un bon coach, il nous pousse hors de notre zone de confort pour que nous puissions atteindre notre plein potentiel en tant que chrétiens. Voici trois façons dont Dieu a tendance à interrompre nos plans. Premièrement, lorsque nous sommes vraiment occupés et que nous ne voulons aucune interruption, il nous met en contact avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Deuxièmement, nous découvrons soudainement que certains comportements ou activités populaires et à la mode que nous aimerions suivre sont en fait contre l'enseignement de l'Église, qu'ils nous causent un tort ainsi qu'aux autres. Troisièmement, lorsque nous sommes vraiment fatigués ou en colère, notre conscience
comme l'ange Gabriel, dans le message de l'Évangile d'aujourd'hui, nous envoie un message disant que nous devons vraiment continuer à travailler ou faire un peu de travail supplémentaire ou être un peu plus patient avec quelqu'un ou pour tenir notre langue. Ce sont trois manières courantes par lesquelles Dieu interrompt nos plans personnels afin de nous inviter à être partenaires dans son plan de salut. Au cours de cette messe, demandons à Dieu la grâce de répondre généreusement à ces interruptions, comme Marie l'a fait, en particulier pendant la période de Noël, afin que notre part dans le plan du salut de Dieu soit assurée. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of life, and the life everlasting. Amen. Brothers and sisters, as we await with longing for the coming of our Lord Jesus Christ, let us with renewed devotion beseech his mercy, that as he came into the world to bring the good news to the poor and heal the contrite of heart, so in our own time also, he may bring salvation to all in need. For leaders of the church entrusted to be good shepherds of God's people on earth, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those in positions of authority called to act responsibly, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Christians everywhere, as they prepare to celebrate the birth of Christ, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our community, as we work to heal our relationships with God and with one another, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty ever-living God, who brings salvation to all and desire that no one should perish, hear the prayers of your people and grant that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and your church rejoice in tranquility and devotion through Christ our Lord. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. You were chosen by the Father, you were chosen for the Son. You were chosen from a woman, and for woman, shining one. Gentle strong and bright, gentle mother,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, que la terre soit remplie de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue à la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque et Guy Desrochers et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si ma parole est juste. Je ne sais plus trouver les mots, Marie, pour
Je reprends ce de Gabriel et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je te salue Marie, comblée de grâce. Je te salue Marie, de grâce. Quand je ne sais plus assez de foi, Marie, pour suivre les pas de mon Dieu, je me rappelle ton fils. Et c'est comment et c'est pourquoi, avant qu'il soit magnifique, je te salue Marie, comblée de grâce. Je te salue Marie, comblée de grâce. Et quand je pleure de bonheur, Marie, en recevant le Fils de Dieu, je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je te salue Marie, comblée de grâce. Je te salue Marie, comblée de grâce. Prions. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, celui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon Saint-Joseph, priez pour nous. Juste une petite annonce pour mentionner que la feuille d'annonce, la liste de l'horaire des messes, est bonne jusqu'au 10 janvier. Alors, ce sera la même qui sera publiée toutes les semaines d'ici le 10 janvier. Just a little announcement to point out that the sheet of announcement with the schedule of masses is good till January 10th, so it will be the same copy every Sunday that you come, every Saturday that you come, between now and January 10th. Our Christmas mass is on Thursday this week at 4:30. There is honestly three pews left available for seating here in Corbeil, so, but we don't plan to welcome anyone at the last minute, so if there's anyone who wants to come, you need to register in advance. Alors, la messe ici à Corbeil pour Noël, c'est jeudi
à 4h30, 16h30, la même heure que nos messes habituelles. Et puis, il reste encore 3 bancs de disponibles, pour donc 3 familles maximum. Et puis, tel qu'annoncé depuis le début, on n'accueille pas personne à la dernière minute. Il faut que les inscriptions soient faites d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans l'amour et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur.